C'était pas mal là, sur la 3, c'était sur les monothéistes, non, c'était sur France Gall, enfin, moi j'étais. Et le huitième jour, il leur dit, bon, ça va toujours merder, parce que ça merde tout le temps. Et le huitième jour, il leur dit, pour la trilogie de quintessence, enfin, changer d'air et d'air, voilà, huitième jour du Nouveau Monde, bon, maintenant il faut établir des nouvelles lois. Il y a marre des oligarchies là. C'est pas mal les mecs, tu vois, je vais le mettre après. C'est pas mal ce qu'ils disent, mec. Si tu veux, ça, les trois éléphants. Bon, on va dire c'est les monothéistes. Tiens, on va commencer à rassembler cela. Pourquoi le plus gros éléphant, bah, c'est le plus gros qu'il est le plus grand qu'il est en haut. Déjà, rien que chez les chrétiens, putain, pour rassembler tout le bordel, entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les coptes et tout ce qui existe là, oh là, c'est compliqué. Bon, là, c'est les sarrasins, et puis là, bon, on va dire, c'est les juifs. Par contre, ceux qui ont le contrôle, c'est le plus petit éléphant qui a le contrôle. Ils sont tous au pouvoir en politique, à la télé, mais quand même. Gottlieb était juif, Michel Berger était certainement juif, ça. Par contre, la crise cardiaque, non, non, ils ont mis un truc dans son café. Hein. Le commis en Coluche, ils me l'ont fait aussi, hein, tu vois. Et moi, je suis déjà mort 14 fois, dont 2 fois, super sûr. Mais ça va. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, c'est tout. Tu vois. Eux, ils font du leurre. Ils se vendent à la télé. BHL TV, bah, c'est bon. Et aujourd'hui, il y a eu 2 émissions sur le complot mondial. Hein. Un coup à BHL TV et un coup à la 2. Et alors? Tu crois me la faire à l'envers, toi? Attends. Moi, je suis tombé sur des super mecs hier sur Internet. Ouais, il me plaît bien le Blacos, il me plaît bien l'autre, le professeur Grosjean. J'ai même vu l'abbé Grosjean. Alors. Aux protestants, franchement, c'était bien. Un bon prêche. C'est le mec qui te fait vivre la Bible. Toi. À la scientologie, c'était bien. Il explique les cerveaux, comment la réincarnation peut être possible. Après, il faut pas être con. Hein. C'est sûr que si vous regardez la télé 24 heures par jour, avoir que de la merde. Hein. Comment il disait Coluche? Dernier prophète non reconnu avant moi. La publicité à la télévision s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Eh ben c'est vrai. Alors je sais pas, je vais appuyer là si ça marche pas. C'est vrai, hein. Et sportif, quoi. Sur une équipe, il y a un esprit. Alors il partage. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'esprit. On vous a pas appris l'âme. Et moi, non, je dois faire des nouvelles écoles, justement. Le TPU, Trésor public universel, c'est. Une caisse commune plutôt qu'une fesse commune, pas une fesse, une caisse commune, enfin plutôt qu'une fosse commune, voilà. Oui, alors là, il y a des mecs, c'est bien les mecs. Qu'est-ce qu'il a dit à Miu Miu? Henri Ibé, quoi. Bon, ça vous parle pas, c'est pas grave. Quand même, somme cinétique. E égale 1/2 de MV2, c'est pour calculer le freinage. H.tac 17, bon ça y est, c'est fini. Maintenant on est en 18. Bon, je vais essayer de lancer mon truc spatio-temporel. Normalement, demain j'ai yoga et aujourd'hui je voulais aller à Sensas. Samedi j'avais fait les. Comment ça s'appelle? La scientologie, Ron Hubbard ou quoi, tu sais. Bon, d'accord. Il était sympa, le mec, putain, vraiment, il était sympa. Bon. Après, le dimanche, le matin, je fais les protestants. Ouais, c'était cool. Après, je suis allé prendre le papier de la Bible, justement, comme quoi que le pape, il a changé. Le Notre Père, c'est ne nous soumets pas en tentation, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. Jean-Philippe trouve ça cool. Bon, ça va. Quand même, il a 10 ans de moins, mais il a quand même une tronche, tu vois.
Et puis après, on est allé voir au témoin de Jéhovah. Bon, c'était la fin, hein, parce que les horaires ont changé, c'était pas marqué, enfin bref. Bon, de toute façon, on était à la bourre. Mais le mec était sympa, mais tu vois, le témoin de Jéhovah, ça a l'air vraiment pour, pas pour débile, mais pour canaliser les perdus. Et moi, je dois rassembler tout ce merdier. Ah ouais, je l'ai pas dit tout à l'heure, les témoins. Les copes, les protestodoxes,